channel and forever. Là. Mon gars, bonjour. Bienvenue, monsieur. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Bonjour. S'il te plaît, je veux voir ton boss. Box? Ouais, le boss. Mon gars, vous êtes bizarre. Hein? Ici, ce n'est pas un ring de boxe, non? Quel boss? Je voulais simplement dire le propriétaire de la maison. Ton, oui. Mon chef? Oui, ton chef. Celui que vous appelez boss. Mon gars, vous ne savez pas que c'est un soldat retraité? Ou bien voulez-vous qu'on vous découpe à la machette? Je suis désolé. Je veux le voir. C'est urgent. Très urgent. Pour quelle raison même? Bien, j'aimerais le voir par rapport à ce poste vacant pour un chauffeur. À vie? Oui, pour un chauffeur. Oh, ok, celui-ci. Oui. C'est moi qui l'ai affiché. Ah, merci. C'est moi qui l'ai affiché. Merci beaucoup. Vous avez un frère qui est chauffeur? Ah, non. C'est moi, mais qui suis intéressé par le travail. Vous? Très intéressé. Vous? Oui, moi. Avec votre façon d'habiller comme un directeur de banque. Mon frère, ne vous énervez pas que je ne l'ai pas écrit à cause de manque d'espace. C'est un conducteur ordinaire que nous cherchons. Pas quelqu'un qui pilote l'avion. Ne vous fâchez pas, j'ai commis une erreur. D'accord, tu vois. Mon ami, permets-moi de voir ton boss. Hein? Je lui expliquerai tout. Je voulais dire ton chef. Hein? Il comprendra. Oui. Ok. Je ne sais pas que le pays est... En tout cas, attendez, j'arrive. C'est pas question de payer, c'est le travail que je veux. Oh, ok. Vous êtes là? Venez. Merci. Patron. Oui.
voici le monsieur en question. Ok. Okondo, tu peux rentrer à ton poste. D'accord, sois monsieur. Sois toujours en alerte. Je suis toujours à l'alerte, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, jeune homme. Monsieur. En quoi puis-je vous aider? Monsieur, je m'appelle Augustine Okafor. Monsieur, je suis là par rapport à la notice que j'ai vue dehors annonçant le besoin d'un chauffeur. Oui, je cherche un chauffeur. D'accord, monsieur. Avez-vous un candidat à me proposer? Oui, monsieur. C'est moi-même. J'ai besoin de ce travail, monsieur. Monsieur, j'ai la connaissance de toutes les routes et rues en Lagos. Je connais toutes les routes en Lagos. Mais vous n'avez pas l'air d'un chauffeur. Monsieur, je suis un très bon chauffeur. Un essai vous convaincra, monsieur. Monsieur, je suis très bon. Je conduis bien, monsieur. Je ne doute pas que vous puissiez conduire une voiture. Mais votre accoutrement ne semble pas me convaincre que vous cherchez un tel emploi. Monsieur, ne tenez pas compte de mon apparence. Monsieur, vous n'allez pas regretter de m'employer. Je suis un très bon chauffeur et je ferai tout pour vous satisfaire, monsieur. Je suis très bon en conduite. Je l'espère. Oui, monsieur. Ok. Vous savez quoi? Ok. J'apprécie votre compassion et votre intelligence. Merci beaucoup, monsieur. Avez-vous une lettre ou un CV? Quelque chose que vous m'avez... Monsieur, j'ai mon CV ici, monsieur. Et je peux écrire la lettre de demande maintenant même, monsieur. Voici mon CV, monsieur. Bien. Impressionnant. Mais avec tous les atouts que vous avez, vous voulez toujours vous rabaisser jusqu'à être un simple chauffeur? Monsieur, c'est une longue histoire. Monsieur, je voudrais seulement que vous me donniez ce travail. J'en ai besoin. Vous n'allez pas le regarder, monsieur. De grâce, monsieur. Ok. Ok. Venez avec Merci, vous. Monsieur. Merci. Oui. Là, madame. Où est mon mari? Il était ici il y a quelques temps, mais je crois qu'il entend travailler de l'autre côté. Est-ce que le dîner est prêt? S'il vous plaît, madame, j'étais en train de venir pour vous en informer. Dépêche-toi, va le faire, j'ai très faim. Ok. Oh, est-ce que quelqu'un me cherche? Bienvenue, monsieur. Oh, Abena, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Oh, chérie, tu t'es réveillée? Je t'ai beaucoup cherché. Où étais-tu parti? Un test de conduite. Tu sais, un jeune homme est venu, voilà. Pour le poste de chauffeur, voilà. À peine? Mais tu viens à peine de les poster il y a quelques heures. Moi aussi, j'étais surpris. Ouais? Mais tu sais comment le pays va. Les gens cherchent d'emploi de manière désespérée. Mais tu sais, il est gradué. Il est gradué? Bien sûr. Waouh! Mais donc tu vas lui donner le boulot? Ouais, je tiens compte de tout ça, mais ma peur est que le salaire soit insuffisant ou trop peu. Tu vois, trop peu pour lui parce qu'il est gradué. Mais donne-lui alors un salaire raisonnable, si tu penses qu'il est réellement bon. Parce que travailler avec un gradué, ça sera très facile. Je le pense aussi, je le pense. Voilà. Chérie, j'ai faim. Allons manger. J'ai aussi faim. Mon amour. Allons manger. Mais que fais-tu ici en te tenant debout comme ça? Va me servir le dîner. Désolée, madame. Oh.
Merci, le chauffeur. Bonjour, Tata. Tata, bonjour. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Tata. Alors, Tata, quel est ton nom? Abena. Oui. Abena. Abé tout court. Oui. Ok, c'est un joli nom. Moi, je m'appelle Austin. Oh, Austin. Oui. Bienvenue chez nous encore une fois. J'espère que vous allez aimer. Je le crois aussi. Je vais à la cuisine. S'il y a un besoin, vous pouvez m'appeler. D'accord. Austin, monsieur, s'il te plaît, klaxonne pour que madame sorte. Ok. Que tu klaxonnes pour qu'elle descende. Oui. D'accord, je le ferai. Elle arrive, monsieur. Mon cœur, je suis désolée. Mais chérie, s'il c'était te plaît, quoi chérie, ça, non hein? Qu'est-ce qui t'a prise? S'il te plaît, mon amour. Ça doit te prendre combien de temps pour t'habiller? Oh, chérie, ne dis pas ça, chérie. Je me faisais belle pour toi. Écoute, tu m'accompagnes juste à l'aéroport. Tu ne vas pas à une fête ou quoi que ce soit. J'ai dit, je suis désolée. On peut partir maintenant? S'il te plaît, Austin. Monsieur. Il faudrait que tu te dépêches, ok? D'accord, monsieur. Tu dois accélérer parce que je dois arriver à l'aéroport dans 30 minutes. D'accord. Si c'est possible, vole même, ok? Dans 3 ou si 5 minutes. Si vous voulez voler, alors il serait mieux de partir sans moi. Je me rejoins encore de la vie et je ne suis pas prête à mettre fin à ça. Non, chérie, madame, vous n'allez pas mourir. Tu as toujours peur de mourir, mais tu nous as fait attendre pendant longtemps. Entre dans la voiture, arrête. Tu commences encore. Si tu continues, je vais te casser la tête. Casser ma tête? Quitte ici. Casser ma tête pour quelle raison même? Comment tu vas même arriver à me casser la tête? Qu'est-ce qui ne va même pas avec toi? Tu as trop de fierté. Ou bien tu penses que tu es belle? Hein? Et si je n'étais pas jolie, pourquoi alors tu me poursuis? Oh, ok. C'est ce qui te fait gonfler la tête comme la farine qu'on a délayée durant la nuit, n'est-ce pas? Je me demande. Regarde, écoute, laisse-moi te prévenir. Tout ce que je fais, tu vois, c'est juste de la considération. Cela ne veut pas dire que j'ai quelque chose à gagner dedans. Comme toi et moi, nous ne trouvons pas la chance de sortir pour aller faire yori yori. C'est pourquoi je voulais t'aider, c'est juste de la considération. Tiens! Allez, quitte-la! Si je n'ai personne pour me satisfaire, tu penses que je le ferai avec toi? Hein? Regarde-moi celle-ci. Regarde, laisse-moi te dire. Tu penses que tu es vierge? Non, toi, mais il faut bien raisonner cela. Tu penses que tu es vierge? Donc, comme tu vas à l'église, tu penses que tu es vierge? Ta chose là qu'on a fatiguée, finie. Et qui est devenue comme les pieds d'une poule qui cherche de la nourriture dans le sable. C'est par pitié que j'ai voulu t'aider. Raisonne bien, hein? Ce n'est pas que j'ai quelque chose à gagner. Okondo, tu es un homme fou. Tu vas jamais retourner là-bas au portail, parce que c'est pour ça que tu es employé. Alors, rentre là-bas, laisse-moi. Et arrête de parler de bêtises. Ne t'inquiète pas. Un beau jour, bientôt dans cette maison, hein, je vais t'attraper dans un coin. Un coin bien serré là où tu ne peux plus t'échapper. Ce jour, je vais te montrer que Okondo est un homme fort de l'Est. Ne t'inquiète pas. Oh, tu es de l'Est?
Moi, je suis du Ghana. Tu vois ce bordel, tu ne peux jamais le toucher. Tu ne peux que l'admirer de loin. Regarde ça. Jésus-Christ. Si c'est comme ça, le tremblement de terre. Hey! C'est la détente. Je te dis. Mon gars, oublie ça. Hein. Je viens juste de prendre ça pour tuer le temps en écoutant de la musique. Si je te dis à quel point j'ai faim ici, hein, tout ceci n'est que camouflage. Tu auras pitié de moi. Si tu as faim, va à l'intérieur et cherche quelque chose à manger. Non. Ne te laisse pas affamer. Va à l'intérieur et mange. Moi, quitter cet endroit, une minute. Si je quitte cet endroit, que je vais aller manger, madame veut sortir. Qui va lui ouvrir le portail? Pardon, hein, je ne suis pas prêt pour des problèmes. Hein. Non. Je ne suis pas prêt pour des problèmes, non, mon frère. Écoute, je ne pense pas que nous allons sortir maintenant. Si nous allons sortir, elle me l'aurait dit. Elle ne m'a rien dit concernant notre sortie. Donc, nous ne sortons pas. Oh, toi, tu viens d'arriver. Tu ne sais même pas encore pour qui tu travailles. Ah, ne t'inquiète pas. Tu ne connais pas encore le genre de madame que tu conduis. Tu la connaîtras bientôt. Nous sommes tous ici. Que veux-tu dire? Tu vois cette femme? À tout moment que le chef voyage, c'est comme ça qu'elle sort. Pour aller rendre visite aux gens, ceux qui l'invitent, ceux qui ne l'invitent pas, c'est comme ça qu'elle va aller parler, faire des commérages un peu partout. Comme une machine à taper qui ne s'arrête plus. Laisse-moi te dire, mes heures officielles de travail, hein, c'est de 7h. À 18h. S'ils pensent pas qu'ils ne me paieront pas pour mes heures supplémentaires, je ne suis pas venu ici pour plaisanter. Après 18h, ils paieront pour mes heures supplémentaires. C'est ça. Ils paieront pour arrête, ça. Arrête, cette sorcière bien arrive. Arrive. Vous parlez de quoi? La belle princesse, la belle reine. Je ne suis pas la reine de la maison. C'est madame qui est la reine. Et Rachel, la fille du boss, c'est elle qui est la princesse. Seigneur, je te rends gloire. Je glorifie ton saint nom. Tu viens de me disculper. Tu vois ce que tu viens de dire? Je suis content pour toi. Dieu merci que tu connais ta position dans cette maison. Souligne ce mot. Ordinaire. Tu es une servante ordinaire dans cette maison. Dieu merci que tu es témoin. Okondo, respecte-toi. J'ai dit respecte-toi. Tu ferais mieux de veiller sur ta bouche. Ce n'est pas de ta faute, d'accord? Si ce n'est pas à cause des conditions de la vie qui ont fait que je suis dans cette uniforme ici, toi aussi tu peux m'approcher pour parler. Parce que... Peu importe. Peu importe, juste respecte-toi. Pourquoi vous deux, vous ne faites que vous disputez, vous querellez chaque fois? Pourquoi vous querellez chaque fois? Moi, Okondo, bagarrer avec celle-là. Bagarrer avec celle-là. Vous vous disputez chaque fois. C'est comme ça que je vais la soulever. Et la tête. Cette fille, c'est une fille très méchante. Moi, méchante. Moi, méchante. Tu n'as pas dit ce que tu as essayé de me faire. Hein? Oko? Hein? Ne la regarde pas. Qu'as-tu essayé de faire? Tous ces amusements, hein, ne veulent rien dire. Tous ces amusements que j'ai l'habitude de faire. C'est à cause de ça qu'elle est ici en train de me parler n'importe. Tu sais comment je fais de la pagaille, non? Ce n'est pas de ta faute. Je n'ai même pas le temps pour toi. Austin, madame était en train de t'appeler. Ah. Oui. Elle est où? Elle est à la maison. Elle a dit que tu dois venir tout de suite.
Madame m'appelle. Hein? Madame t'appelle. Je suis ici, j'attends. Je m'en vais lui répondre. Ok. J'arrive, hein. Hey, attendez, j'ai pitié de ce gars. Faut pas que madame commence à utiliser ce gars comme elle a utilisé l'ancien chauffeur. Hein, qui s'est fâché et par la suite retraité. Non, démissionné du travail. Ah, désolé pour toi. Ouais. En tout cas, que je continue à écouter ma musique. Où se trouve ce morceau même? S'il vous plaît, madame, il est là. S'il te plaît, va continuer ton travail à la cuisine. Oui, madame. Madame, vous avez envoyé m'appeler. S'il te plaît, prends place. J'aimerais te parler. Madame, j'espère que je n'ai rien fait de mauvais. Non, tu n'as rien fait de mal. Même si c'est le cas, j'aimerais devenir ton élève. Alors, mets-toi. Merci, madame. Merci, madame. Oh, c'est quoi? Relaxe-toi. Pourquoi tu pleures? As-tu peur de moi? Non, madame. C'est qu'un signe de respect, madame. Oh, s'il te plaît, oublie ce respect. En effet, j'aimerais que tu m'appelles par mon nom à partir d'aujourd'hui. Madame, pourquoi? Comment? Votre nom? Je veux dire, je veux que nous soyons libres tous les deux. Tu es déjà un gradué, alors tu mérites aussi ce respect. Merci, madame. Merci. Madame. Austin, je peux être ta madame, comme tu le dis, mais je dois te traiter différemment par rapport à ce vaurien qui travaille dans cette maison. J'ai vu ton CV. Alors, tu es vraiment un homme très brillant. Merci, madame. Merci beaucoup. Oh, pardon. Appelle-moi Nora. Mais madame, je ne peux pas vous appeler par votre nom. Quoi si patron m'entend vous appeler par votre ton nom? Ton chef a voyagé. Ok? Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Austin, tu n'es pas un enfant. Donne-moi juste ce que je veux, s'il te plaît. Donne-moi juste ces sentiments. Madame. Chauffeur ordinaire. Mais tu es un gradué. Ça, c'est juste un job temporaire. Et je peux bien te connecter à un job de ton rêve. Si seulement tu as cette maturité de répondre à ma demande. Ce genre de tentation.
Abby, tu m'as fait peur. Oh, Moza, n'aie pas peur. Ne sois pas impuré. C'est parce que tu t'es caché derrière comme tu l'as toujours fait. Je t'ai attrapé. Au moins, je t'ai marqué un point. Mais tu t'es caché. Donc, bonjour. Comment était la nuit? C'était bien. Mais ça aurait été mieux si tu étais là et que je n'étais pas seule. Ok, y a pas de quoi. Pourquoi est-ce que tu m'as pas fait signer avant de rentrer? Parce que je ne t'avais pas vu lorsque je partais. Mais tu aurais dû m'appeler. Ok. Je suis désolé pour ça. Ok, bien. T'as déjà mangé depuis le matin? Non. Je n'ai pas encore pris le petit déjeuner. Tu voudrais bien que je fasse le déjeuner pour toi? Oui, mais... Madame ne va pas se plaindre. Madame va parler, pourquoi? T'inquiète, c'est moi qui s'occupe de la cuisine. Madame n'a rien à voir avec ça, alors juste dis-moi ce que tu veux et je le ferai pour toi. D'accord, petit déjeuner. Ok, je l'amène tout de suite pour toi. Ok. Tu commences encore. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je veux savoir les contenus de ces assiettes. Tu veux savoir si c'est pour qui? Est-ce que c'est ton affaire? On a écrit ton nom ici. Écoute, au cas où tu as oublié, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. En tant que chef de sécurité de cette maison, j'ai le droit de vérifier tout ce qu'on déplace ou tout ce qui se déplace, à vie ou mort. Du bas jusqu'en haut. Tu me comprends? Laisse-moi voir ça. C'est comme si tu oublies qui tu es. Le chef officier de la sécurité, laisse-moi te rappeler. Tu es un portier ordinaire, reprends ton poste et laisse-moi. Hey. C'est comme... C'est de la nourriture que cette fille a mis dans ses assiettes, hein? Ah, c'est pour Austin. Hey. Nous allons manger ça ensemble. D'accord, bébé. J'aimerais que tu rentres juste à temps. La maison est très vide quand tu n'es pas là. Et tu me manques énormément. Tiens donc, bébé. Tu ne peux pas être seule dans cette maison. Tu es avec Abin. L'as-tu viré? Oh, Chief. Tu sais ce que je veux. Où Abin a pu me faire tout ce que tu me fais, mon amour? Je ne me sens pas bien quand tu n'es pas là. Je rentre la semaine prochaine. Et à propos, j'ai parlé avec Rachel aujourd'hui. Elle va finir le service des jeunes ce week-end. Elle viendra te rejoindre là. Ceci tôt. Je pensais que ce service était pour un an. Bien sûr. Mais il y a de cela une année qu'elle nous a quittés. Ou as-tu oublié? Alors, où va-t-elle habiter? Comment ça, où va-t-elle habiter? Dans notre maison, bien sûr. C'est mon unique fille. Et la maison lui appartient aussi. Chief, pourquoi ne pas chercher un appartement quelque part en ville ou peut-être chez un de tes amis, tu vois? Ne sois pas ridicule à ce niveau. Nora, ne le sois juste pas. Vous deux devez apprendre comment vous tolérer mutuellement. Elle est ma fille et tu es sa belle-mère. Et je vous aime toutes les deux. Alors tu dois vraiment parler avec elle. Tu dois lui dire de se respecter. Ok, ne t'en fais pas. Je vais lui parler. Il faut que j'aille. Alors,
Je vais te rappeler. D'accord, Chief. Je t'aime. Oh. Rachel revient encore ici. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Quoi? C'est quoi encore? S'il vous plaît, je vais aller au marché. Est-ce que je peux aller avec le chauffeur? Quel chauffeur? Donc, il n'y a pas de moto ou de taxi? Mon ami, dégage de ma vue. Oui, madame. Hé, reviens. Si tu sors là-bas, dis au chauffeur de venir. Oui. Écoute, ne me mets pas en colère, d'accord? Il n'y a rien de mauvais quand elle me donne du petit déjeuner. Ce n'était qu'un geste amical. Gars, s'il te plaît, va t'asseoir quelque part et laisse-moi. Quel geste amical? Geste amico. Regarde, laisse-moi te dire. Moi, Okundu, je te dis que cette fille est tombée yakata pour toi. Ou bien tu es aveugle? Ok, si c'est du mensonge, pourquoi elle ne me sert pas aussi le petit déjeuner? Mais pourquoi devrait-elle te servir? Comment elle va te servir quand tu te disputes avec elle chaque fois? Je t'ai dit de ne pas parler de cette histoire de bagarre parce que cette fille, elle est trop petite pour se tenir devant moi, non? Je ne peux pas bagarrer avec... C'est de la chicotte que je vais utiliser pour elle. Bagarrer avec qui? En fait, laisse-moi te prévenir. À tout moment qu'elle apporte encore de la nourriture, c'est toi et moi qui allons manger ça ensemble. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis le premier à tomber amoureux d'elle avant ton arrivée. Oh, c'est maintenant que tu confesses. Oh! Donc, tu avais les yeux sur elle. Et tu as toujours les yeux sur elle. Béguin. Le Béguin vient faire quoi dedans? Ce n'est pas seulement Béguin. C'est Tandis. Sèvno. Regarde-moi son visage. Regarde la fièvre. Salut, Austin. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne te laisse pas influencer par son mauvais comportement. Hein? J'espère que ce n'est pas moi que tu qualifies de personne négative. Hein? Est-ce que je citais ton nom? De arrêter ça, ne commencez plus vos disputes ici. Il semble que tu es en train de sortir. Oui, je vais au marché faire des provisions pour la maison. Alors, laisse-moi te déposer. Oh, comme tu es gentil. Madame ne veut pas. Elle m'a demandé de t'appeler. Ah. Où est madame? Elle est à la maison. Ok, en revenant du marché, n'oublie pas de m'acheter quelque chose. Tu sais que tu es mon préféré, non? D'autres personnes n'auront rien de moi, même pas un naira. Ok, hein. Le chien dort tranquille et la souris la réveille. Avec ta bouche là que tu utilises pour chercher des problèmes, hein, sûrement tu le trouveras un jour dans cette maison. Idiote. Le chien dort, la souris le réveille. Ok. Madame m'appelle. Vas-y, non. J'irai porter mes chaussures pour aller la voir. Tu as le choix. Concernant vous tous dans cette maison, hein, je vais vous montrer que c'est moi le chef sécurité ici. Je vais à mon poste. Je ne sais même pas ce que je suis venu chercher ici. Madame. 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 Abena Matik. J'espère qu'on était d'accord que tu m'appelles par mon nom. Pourquoi est-ce que tu m'appelles encore madame? Désolé madame, s'il te plaît, pardon, Nora. Je voulais dire Nora. Madame, pourquoi fermez-vous la porte?
j'ai fermé la porte parce que j'ai besoin d'une surprise qui va aider mon corps à se sentir mieux. Mais madame, elle pourrait nous surprendre tant que... Chut. Elle ne va pas rentrer maintenant. Mais madame... Alors laisse-moi profiter de cette opportunité. Je sais, mais madame... Madame... Madame. Laisser quelqu'un se reposer dans cette maison. Qui est-ce? Hein? Qui est-ce? Ouvre la porte! Hein? Ah. Rachel, qu'est-ce qui s'est passé? D'où viens-tu? Hein? De l'aéroport, bien sûr, c'est quel genre de question ça? Ah! Mais. Austin et madame sont partis depuis pour aller te croiser à l'aéroport, non? Tu ne les as pas vus? Je n'ai vu personne, c'est pour ça que j'ai pris même un taxi. Hein? C'est qui Austin? Ah, Austin, c'est notre nouveau chauffeur. C'est lui et madame qui sont partis à l'aéroport pour t'accueillir. Il s'est passé quoi avec Gagnon? Oh, Gagnon que madame a renvoyé depuis le mois dernier. Nora, j'espère qu'elle ne te cause pas beaucoup de problèmes. Ah, en tout cas Rachel, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est elle la madame de la maison. Tout ce qu'elle veut... Elle peut faire ça avec moi. Je suis ça là. Ça ne sera plus le cas. Je suis revenue en permanence et c'est correct. La maison de mes parents. Correct. Elle doit connaître ses limites. Correct. Oh, tantine Rachel, tu es là. On pensait que tu allais venir pendant le week-end. Regarde comment tu es jolie. Comment il te révolte. Magnifique. Tu m'as manqué. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Dieu, la maison m'a manqué. Oh, tu m'as manqué et ta cuisine aussi m'a manqué. Mes repas sont toujours là. Tu sais quoi? J'ai fait ton repas favori. Entre à la maison. Bienvenue. On est mieux que chez vraiment. Soi. Tata Rachel, tu n'as même pas apporté le pain d'Abuja pour ton garçon. Okondo, hein? J'ai apporté des choses, mais absolument pas du pain. Quand je me serai reposée, tu l'auras. Correct. Des gens comme toi ne servent à rien dans cette maison. Regarde ton derrière. Pardon, attends. Faut pas lui donner mon pain pour venir me donner, hein. J'ai pas confiance en elle, sorcière. Bêtise. Madame, bienvenue. Bienvenue. Madame, vous avez croisé Rachel en route, ça voit. Hein. Elle est rentrée. Mon ami, ferme ta gueule. Ferme-la. Qui t'a demandé de me parler de ce qui concerne Rachel? Je n'ai vraiment aucun deal avec elle. Ah, dégage de ma vue. Désolé. Oh. Rachel. Ah, t'es finalement de retour? J'étais très inquiète lorsque je t'avais pas vue à l'aéroport. J'avais pensé que vous avez fait un crash ou quelque chose de pareil. J'avais vraiment eu peur. Désolée de te décevoir. C'est toi qui parles de crash alors que c'est une âme aussi noire que la tienne qui le mérite. Oh, arrête. Quelle bêtise. Rachel, peu importe, tu es la bienvenue. Au fait, je veux me reposer un peu. Espèce de menteuse. Salut. Ça doit être toi le nouveau chauffeur.
Oui, je m'appelle Augustine Okafor. Mon nom est Rachel, l'enfant unique du chief. Oh, madame, c'est mon plaisir de vous avoir finalement rencontré. Merci. Tu étais censé venir me prendre à l'aéroport. Que s'est-il passé? Madame, je voulais dire... Nora. Ne t'en fais pas, je sais que c'est pas de ta faute. Je sais ce qui s'est Merci. Passé. Ne t'en fais pas, je vais m'en charger après. D'accord. Enchantée. Ravi de vous rencontrer aussi, madame. Je suis en train de faire la lessive. Quelle est cette chose dans ma casserole? Les gombo. Bien sûr que c'est de ça que je parle. Je veux dire, qu'est-ce que ça fait dans ma cuisine? C'est le repas favori de tontine Rachel. J'avais fait ça pour elle. J'en ai rien à foutre si c'est son pire cauchemar. Sois-en sûr d'enlever ces trucs dans ma casserole et la nettoyer le plus vite possible, je te jure. Sûrement pas. Elle ne fera rien de tel. Ce repas a été cuisiné spécialement pour moi. Et si t'as un problème avec ça, alors tu sors de cette cuisine. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler de la sorte, Rachel? Tu réalises que je suis ta belle-mère? Ah ça, non! Tu as ensorcelé mon père pour qu'il puisse se marier avec toi. Mais ce qui est sûr, tu n'es pas ma belle-mère et tu ne seras jamais ma mère. Tu sais quoi? Je ne peux pas discuter avec toi. Parce qu'à ce que je sache, tu n'es qu'une sale souris. Et pour toi, Abena, je m'occuperai de toi. Attends, tu vas voir. Idiote. Abena, laisse-la parler. Elle ne pourra rien te faire ici. Moi, je suis là. Fais-moi confiance. Ok, bien. Tu peux retourner à la buanderie. Okondo, je ne savais pas que la fille du chef est si belle. Mon gars, elle est très belle. Elle est belle et jolie. Et elle a un bon caractère aussi. Hein? Ha! Mais il semble que elle-même et madame ne s'entendent pas du tout. Mon gars, tu vois les deux là? Vraiment, elles ne s'aiment pas du tout. Elles sont comme chien et souris. Ah! Pourquoi est-il comme ça? Bien, c'est une longue histoire. Le fond du sujet est que madame a arraché le boss de la mère de Rachel. Comme Abena, dans cette maison, en ce moment, une servante ordinaire, une bonne de maison, c'est ce qu'elle était. Et le boss l'a rencontrée. Hein. Il l'a aimée. Avant qu'on ne sache, elle a dit au boss qu'elle est tombée enceinte. Après le mariage, la grossesse est disparue. Pas d'enfant jusqu'à présent. Aucun... Austin, va prendre la voiture, je dois sortir. D'accord, madame. De toute évidence, ce vieux-là, il prend bien soin de toi. Oh, s'il te plaît, Johanna. Si tu savais comment je m'ennuie ces derniers temps, je n'allais pas dire ça. Oh, c'est dommage que tu me dises ça seulement aujourd'hui.
J'étais vraiment surprise quand tu m'as dit que tu étais en chemin pour venir chez moi aujourd'hui. Ma chère, j'ai envie de quitter cette maison avant que je ne fasse quelque chose de très mal, ma chérie, je te jure. Que s'est-il passé? Chief ne t'a pas laissé assez d'argent avant qu'il ne voyage? Tu parles comme si tu ne me connais pas, ma chérie. Chief ne peut pas quitter la maison sans pour autant me laisser ce que je veux, ma chérie. Bon, alors ma copine, c'est quoi ton problème? Son imbécile de fille est rentrée à la maison et elle me met mal à l'aise tout le jour de jeu. Je ne peux pas rester avec cette fille. Est-ce qu'elle est sérieusement revenue s'installer avec vous? Bien sûr que oui, ma chérie. Et elle est venue me tourmenter dans ma propre maison. Chaque jour, j'ai envie que quelque chose de mal lui arrive, mais cette fille, je ne comprends pas. Elle survit toujours malgré mes pensées. Ce genre de souhait se réalise très difficilement, tu sais. C'est qui là? Ça doit être mon chauffeur Austin. Je lui avais dit d'entrer s'il finit de parquer la voiture. Ok, je vais l'ouvrir. Bonjour madame. Bon après-midi. C'est donc lui ton chauffeur? Oui, c'est lui mon nouveau chauffeur. Oh. Salut, je suis Joanne, ravie de te rencontrer. Austin, c'est mon plaisir. Ok. Joanne, ça suffit. Austin, s'il te plaît, mets-toi là. Austin, elle c'est ma copine Joanna. Elle est vraiment une meilleure amie pour moi. Mais des fois, elle est un peu folle. Je vous en prie, madame. Oh mon Dieu. Je sais ce que tu veux prendre. Je vais te le chercher et j'arrive. Ok. Oh. Madame. Oh, sois calme, relaxe-toi. Oh oui, c'est vrai. Nous sommes à un point à présent en paix. Tu es vraiment comique. Dis-moi, tu étais où depuis la nuit dernière? Ah bien, j'ai amené madame quelque part, je l'ai laissée là-bas. Elle dit qu'elle n'allait pas revenir jusqu'à ce que son mari retourne. Je crois que c'est à cause des tiraillements. Qu'est-ce qui s'est passé entre elle et tantine Rachel? Dis-moi, elle est où? Chez une amie, elle m'a dit de lui prendre quelques habits. Les habits. Que tu me donnes quelques habits à lui apporter. Quelques habits? Oui. Bien, je suis contente. Cette femme est vraiment une semeuse de troubles. Madame, dis-moi, où est-ce qu'elle est maintenant? Chez une amie. Elle dit que je lui apporte quelques habits. De qui est-ce que vous parlez comme ça? Il a dit que madame l'envoie les prendre pour elle quelques amis. Oui, madame. Elle a raison. Elle t'a demandé de lui apporter des vêtements? Oui, madame. Donc, elle a pris la fuite. Ça, c'est très bien. Quand tu vas la revoir, dis-lui que la lumière et l'obscurité ne peuvent cohabiter en harmonie. Ok? Je me dépêche de prendre pour elle quelques habits. Reviens par ici. Mais ça, c'est la nouvelle du siècle. La toute puissante Nora, qui s'enfuit de la maison. Tout ça parce que la personne qui peut supporter sa folie et la protéger n'est pas là. Oui, madame. Et où est-ce qu'elle se cache exactement? Chez une amie à Ikoyi. C'est une amie. Elle peut même mourir dans l'océan, j'en ai rien à faire. Dis-lui juste de rester cachée. Je le lui dirai. Quand on aura fini avec elle, tu reviens avec la voiture parce que moi j'en aurai besoin. N'importe quoi. Oh, il a du trouble. C'est qui attendait, non? Où es-tu?
Viens ouvrir le portail. Yes, ma'am. Ah. Pourquoi tu frappes le portail comme ça? Mais où est-il quand j'ai toqué à la porte? Regarde, si je savais que c'était toi, hein, qui frappait le portail comme ça, j'allais me détendre dans les toilettes là où j'étais en train de me soulager. Ce n'est pas ton affaire. Viens d'abord, Abena. Viens, viens, ne te fâche pas. Ne te fâche pas que je crie. C'est parce que je suis pris dans les toilettes. C'est pourquoi je crie comme ça. Qu'est-ce que je t'ai fait, Abena? Je n'aime pas la manière dont tu me traites ces derniers moments. Tu ne m'aimes plus. T'ai-je déjà dit que je t'aimais? Même si tu ne me l'as pas dit, je sais comment toi et moi nous étions avant. Ok. Qu'est-ce que tu me veux? Dis-moi. C'est maintenant que tu as parlé. Regarde, hein, Abena. Je t'aime. Je t'aime tellement. Regarde, hein. Je veux que toi et moi, nous faisons des choses ensemble. Si tu vois bien, tu te rendras compte qu'il fait très froid. Okondo, regarde-moi bien. Regarde-moi de haut en bas. Suis-je le genre de tes femmes? Ce ne sont pas des preuves, ça. Toutes ces choses ne sont pas des preuves. Ou bien tu n'es pas une femme? Écoute, laisse-moi te dire. J'ai tout ce qu'une femme veut d'un homme. Si tu doutes de moi, ne t'inquiète pas. Allez, laisse-moi fou. Tu peux voir que tu es vraiment ivre. Cela fait des années que je t'ai choisi, hein. Je t'ai choisi. Mais tu te vantes. Il faut bien bouger ton truc là de gauche à droite. Je ne sais même pas si c'est dans les toilettes. Tu vas te satisfaire. On t'a dit que je n'avais besoin. C'est pas grave. Nora, Nora. Ma chère, tu sais que t'es grave. T'es triplement mariée, tu sais. Qu'est-ce que je fais? Ah, je n'arrive pas à croire qu'une tigresse comme toi puisse survivre ne fût-ce qu'une semaine sans son mari. Ma chère, tu me connais, non? Voilà pourquoi j'aime de jeunes, costauds. Comme Austin, il me donne une très bonne satisfaction. Seigneur, tu as presque failli tuer ce pauvre gars la nuit dernière. Je l'ai entendu te supplier qu'il se repose ne fût-ce qu'une heure. Ah, Johanna. Johanna, je savais que tu tournais juste à côté. Au lieu de dormir ou de t'occuper de tes affaires. Comment j'aurais pu dormir quand les bruits venant de ta chambre étaient si perçants? Ma copine, tu es égoïste. Égoïste, comment? Mais oui, non, t'aurais pu m'inviter à la fête, c'est pas gentil de ta part. Hein? Inviter qui? Toi, Johanna? Écoute, Austin est mon chauffeur. Et il ne conduit que moi seul, pour ton information. Alors enlève ça de ta tête. Alors je ne le partage pas, surtout avec quelqu'un comme toi, Johanna. Je suis ta copine, non? Faut pas me faire ça. Et épargne-moi. Je ne peux pas. J'ai parlé de toi à mon papa. Mais concernant? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, madame? Oh non, tu n'as rien fait de mal. Nous avons juste parlé de comment tu fais bien ton travail. Mais j'ignorais que tu étais un licencié. Je suis assez impressionnée par ton humilité. Merci beaucoup, madame. Je pensais que vous vouliez me renvoyer. Te virer? Oui, madame. Pourquoi je ferais ça? Je t'apprécie beaucoup, au fait. Franchement, pour vous dire la vérité, c'est le seul emploi que j'ai pour le moment. Et il n'est pas facile de trouver du travail ailleurs. Ah, ça oui, je sais. Mais ce qu'il y a est que tu es un licencié et tu mérites mieux que d'être chauffeur. Que cette Nora fait monter des cendres comme elle le veut. Je ne me plains pas, madame. Je ne me plains pas. Je sais. Oui, mais je sais que tu mérites vraiment mieux. Tu sais ce que je vais faire pour toi? Une fois que mon père va revenir des États-Unis, je vais lui demander de te confier un meilleur poste dans sa compagnie. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup.
Ce sera merveilleux et je serai très reconnaissant si vous me faites ne ça. Ne t'en fais pas. Et j'ai aussi vu ton CV. Honnêtement, c'est du lourd. Merci, madame. Merci beaucoup. Maintenant, tu peux partir. Merci. Merci. Austin, tu as toujours affaire avec cette voiture. Tu es un mécanicien ou quoi? Non, je vérifiais seulement les bougies et quelques autres choses parce qu'hier, j'entendais quelques bruits. C'est pourquoi je les vérifiais. Ah, multimétier. Licencié, chauffeur, maintenant tu deviens un mécanicien. Ah non, ce n'est pas toute panne d'une voiture qu'il faut apporter chez un mécanicien. Non, en tant qu'un bon chauffeur, il faut savoir réparer quelques petites fautes dans une voiture. C'est ça. Ok. Ok, les bons chauffeurs méritent aussi un bon divertissement. Alors, je t'ai amené quelque chose à manger. Oh, merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Wow. Merci beaucoup. Ah, Abena. Depuis que j'ai commencé par travailler ici, tu m'as été toujours gentille. Tu es une fille très joviale. C'est pour te montrer combien je te porte dans mon cœur. Merci beaucoup. Oh Dieu, merci. Waouh, c'est joli à voir. Tu as aimé? Délicieuse. Ah. Où as-tu appris à cuisiner comme ceci? J'ai fait la restauration. Ah, je vois. Ah, tu sais, j'aimerais épouser quelqu'un qui sait réellement cuisiner parfaitement comme tu le fais. Et alors, qu'est-ce que tu attends? Je suis juste devant toi. Tu ne vois pas? Venez voir où. Austin, c'est comme ça que tu es? Je me demande. Ah. Non, non, c'est parce que tu penses où? Écoute-moi bien. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est comme ça que tu es venu de nulle part pour l'arracher de moi, n'est-ce pas? Judas est mieux que toi. Okoro, regarde. Ce n'est pas ce que tu penses, hein? Ce n'est pas ce que tu penses. Nous étions juste à... Que veux-tu que je pense encore en dehors de ce que j'ai vu? C'est la nourriture. Gars, oublie ça. Tu as compris? Oublie ça. Tu es un homme très méchant. Je vois pourquoi cette fille me provoque. Dans cette maison, n'importe comment, depuis que tu es venu. Non, non, non. Non, c'est une nourriture. Oh. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu sais, hein? Tu es méchant. Viens t'asseoir. Elle nous a... Va là-bas! Que voulait me faire cette fille? Austin, tu peux déposer ça ici? Merci. Ah, madame, je voudrais partir. Je dois aller prendre madame. De quelle madame est-ce que tu parles? Votre... Madame Nora. Ah.
Elle n'a qu'à utiliser les taxis. Moi, j'aurais besoin d'utiliser cette voiture. Ok, madame. Madame, s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Je souhaiterais que vous l'appelez pour le dire parce que je ne peux pas le dire moi-même. S'il vous plaît, madame. J'en ai rien à faire. Que ça lui plaise ou pas. Elle peut aller en enfer et y rester. Qu'est-ce que je m'en tape? Mais tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, elle ne va rien te faire. Ok, madame. Je suis dehors au cas où vous aurez besoin de quelque chose. Petite rectification. Austin, j'aimerais bien que tu arrêtes de m'appeler madame. Désormais, c'est Ruth. Appelle-moi par mon prénom. Plus de madame. Mais madame, c'est... Je sais que tu veux rester professionnelle ici, mais j'apprécierais que tu m'appelles par mon prénom, Rachel. Ok, noté. Mademoiselle Rachel. Mais quel gentleman parfait tu es. Et j'aime ton humilité. Merci madame, mademoiselle Rachel, j'ai apprécié. Je veux pas passer pour une grande curieuse, mais j'aimerais mieux te connaître. N'essaye pas de l'appeler, peut-être qu'il rencontre des difficultés en ce moment. C'est ça le problème, son phone est éteint. J'ai essayé beaucoup de fois. J'espère qu'il ne s'est pas retrouvé victime d'un accident ou de quelque chose du genre. Écoute, les plans étaient qu'il aille à la maison prendre la voiture et venir me chercher ici. Je suis déjà en retard. Ma chère, mais comment est-ce que ça se fait que toi et elle devaient utiliser la même voiture? Chief devrait te disposer d'une voiture juste pour toi. Dès que Chief rentre, il doit me chercher ma propre voiture. Je ne peux pas partager la voiture avec cette sale souris. Qu'importe, si tu es en retard, tu peux utiliser ma voiture, mais il faudra mettre le carburant. Ça ne sera pas du tout un problème. Je peux même remplir un feu de carburant si tu veux. Je veux. Au moins, je profiterai indirectement de l'argent de ton mari. Voilà les clés. D'accord. A plus. Prends soin de toi, bien ma sûr. Chérie. Attends. J'espère que tous tes documents sont intacts parce que je ne suis pas prête pour les tracasseries. De grâce. Pardon. Si on t'arrête, sers-toi de tes atouts naturels. Ou alors tu ne sais pas comment t'en servir pour amadouer un Johanna. Officier. Johanna, tu as vraiment une mauvaise influence. Tu es le genre de fille avec qui ma mère m'interdisait quand j'étais trop petite. Dégage, c'est toi qui m'as appris ça. Ok, prends bien soin de Très toi. Bien. Bye. Oh mon Dieu! Je suis désolée.
Allez, reviens m'embrasser. Oh, la main droite. Madame. C'est toi, monsieur Lamont. Entre. Bonjour, madame. Est-ce que ça va? Où est ma madame? Oh, Laura t'a attendu pendant très longtemps. Elle est où maintenant? Eh ben, elle était en retard alors. Elle a décidé de partir. Je crois qu'elle n'était pas furieuse contre moi. Ça va, ne t'inquiète pas. Détends-toi et attends-la ici. Ok. Prends place. Merci, madame. Assieds-toi. Merci. J'espère qu'elle ne va pas rester longtemps. Et même si elle est restée pendant longtemps, j'espère qu'on pourra trouver quelque chose d'intéressant qui va nous occuper pendant qu'on l'attend. Tu ne penses pas? Oui. Viens par ici. Abena, tu es assise ici. Basimbo, qu'est-ce qu'il y a? Abena, que s'est-il passé? Madame t'a renvoyé? Que s'est-il arrivé? Hein? Ah! Pourquoi tu ne veux rien dire? Tu sais, on dit un problème partagé est un problème à moitié résolu. Ah, je sais que tu ne m'aimes même pas, mais on ne sait jamais. Hein? Abena. Aïe, désolé. Hein? Que s'est-il passé? Il faut parler, non? Désolé, hein? Je suis désolé de vouloir te consoler. Comme tu ne veux pas parler. Désolé, hein? Si tu décides de me parler, je suis au portail. Tu as entendu? Et tu viens me parler. Papa, s'il te plaît, n'oublie pas de m'acheter toutes ces choses-là que je t'avais demandées. Mais tu as élevé une bonne fille, n'est-ce pas? Je t'adore, papa, merci. Ah, I feel good. I feel good. So good. Pum, pum, so good.
Papa, ma chérie. Prends les valises. Mais regarde-toi, tu as tellement pris du poids que je n'ai pas pu te transporter. Papa, je vais bien. Comment était ton voyage? Bien, bien, ça s'est bien passé, sauf que vous m'avez tous manqué. Bienvenue, papa. Abena. Ça fait longtemps que j'ai mangé ta sauce, comment tu vas? Je vais bien, papa, merci et bienvenue. Merci, je pense que mon repas est prêt. Bien, comme vous dites, papa. Bien, bien, bien. Je vois que tu es même venu avec un colis humain. Ne recommence pas, s'il te plaît, ne recommence pas. Écoute, tu dois vivre avec Nora, c'est ta belle-mère. Ça, je ne l'accepterai jamais, faut même pas qu'on se dispute pour ça. Et regarde. Oublions d'abord ce sujet pour le moment, ok? Je viens juste d'arriver, okay? J'espère que tu m'as rapporté tout ce que je t'avais demandé. Bien sûr. Papa, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allons à l'intérieur, comme très ça, bien. Je déballe tout et je récupère mes affaires. Tu es terrible, toi. Abena? Tantine Rachel. J'ai remarqué que tu te comportes bizarrement ces temps-ci. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, rien du tout. Tu en es sûre? Tu sais que tu peux te confier à moi s'il y a quelque chose qui te dérange. Non, il n'y a rien qui me dérange. Ok. Si tu le dis, le repas était vraiment très délicieux. Merci. Est-ce qu'il en reste encore? Mm-hmm. Très bien. Dans ce cas, est-ce que tu peux essayer de me rassembler tout ça? Et tu mets ça dans un bol en plastique pour moi. Que je mette ça dans un bol? Mais pourquoi? Bon, toi fais-le. Merci. Tu sais que tu me déçois dans cette maison. Comment? Quand tu continues de m'accuser pour quelque chose que je n'ai pas fait? Chaque fois. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Austin, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Je ne t'ai pas attrapé l'autre fois quand tu embrassais Abena derrière. Et si je l'ai embrassé? Si je l'ai embrassé, quelle offense ai-je commise? Ok. Pour toi, cela ne peut pas être une offense, hein? Mais pour moi, c'est une offense criminelle. Tu entends? Tu sais, depuis quand j'ai mes yeux sur cette fille? Avant que tu n'arrives dans cette maison? Au compte de ton problème, c'est la jalousie. Tu es seulement jaloux. Est-ce de ma faute qu'elle m'a choisi au lieu de toi? Est-ce de ma faute? Ok, tu vois. Tu te gênes pour rien. Tu vois? Maintenant, tu es en train de couper la main qui t'a nourri. Si c'est que je ne t'avais pas ouvert ce portail, tu seras dans cette maison aujourd'hui. Sans moi, le boss ne va pas t'employer. Sans moi, tu ne seras pas ici en ce moment me parlant de gros mots. Okondo, je vois que tu passes du bon temps. Amuse. Dans cet état, en cette période, désolé, tout est dur. Bébé, je t'ai apporté ton repas. Tu dois avoir très faim. Ah, merci beaucoup, j'ai apprécié. Je t'en prie. Tu sais quoi? On se verra plus tard, hein? Ok. Ok. À plus. D'accord. Hey. Austin. Tu sais ce que tu viens de faire? J'ai pitié de la femme qui t'a mis au monde. Qu'est-ce qui a passé? Tu me demandes que s'est-il passé? Hein? Austin. Regarde. C'est comme tu as oublié que le père de Rachel est un soldat retraité qui n'est pas encore fatigué. Et alors? Donc? Et alors? Ah. Tu viens de signer toi-même ta propre peine de mort comme ça. Pas de problème. Ah, ah, Okondo, laisse-moi te dire. Je tenterai ma chance. L'homme ne meurt qu'une seule fois. Ok. Ouais, donc je vais tenter ma chance. Le monsieur ne joue pas avec sa fille, hein? Mais viens-y, donne-moi ça. C'est quoi ça? Laisse-moi c'est quoi ça. Ceci? Donne-moi. On va déclarer la guerre dans cette maison si on ne mange pas ensemble ce plat. Quel est ton problème? Hein? Je n'ai pas de problème. Tu n'as pas de problème. C'est toi mon problème. Alors laisse ma nourriture. Laisse à mon. Laisse-moi la nourriture. Écoute, le plat que mon bébé m'a apporté, laisse-moi voir ce qu'il y a dedans d'abord, non? Tu continues toujours de l'appeler bébé? Ok, la fille du patron.
ok. Laisse-moi voir ce qu'il y a dedans d'abord. Okay. Que je te retienne d'abord. Ok, vérifie. Ouvre ça. Ouvre ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le haricot. Et tu ne manges pas du haricot? Qui a dit ça? On va manger ça ensemble. C'est du haricot. On va manger ça ensemble. Tu ne manges pas du haricot? Moi? Tu ne manges pas du haricot? Les toilettes sont à côté. Hein? Je vais manger ça. Ok. Attends. Va apporter ton assiette. Que je quitte ici. Va apporter ton assiette et je vais te donner. Chérie, tu m'as manqué. Chief. Mon amour. S'il te plaît, ne me provoque pas si tu sais que tu n'as pas de force. Oh, est-ce que je ne te satisfais pas toujours? La nuit dernière, c'était un désastre. Tu n'arrivais pas du tout à faire quelque chose. Tu sais, c'est dû au fait que je venais d'un très long voyage. Mais ne t'en fais pas. Cette nuit, du feu, je pense que tu es prête. Ah bon, je confiance. Oh, je pense que ça va, hein? Papa, je ne vais pas bien. Ah, c'est quoi le problème? C'est toi. Tu me mets mal à l'aise dans cette maison avec ton comportement. Ah, mon bébé, quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Papa, vous pouvez aller vous embrasser, vous toucher, vous caresser dans votre intimité, aller dans votre chambre. Mais je sais que c'est pas de ta faute. C'est le démon que tu as entre tes mains qui te pousse à le faire pour me provoquer. Excuse-moi! Rachel, c'est à moi que tu parles? Chief, as-tu entendu comment est-ce qu'elle m'appelle? Est-ce que toi tu as entendu ton nom? Est-ce que moi j'ai cité ton nom? Rachel, pour ton information, ça c'est la maison de mon mari. Alors si tu n'es pas confortable ici, tu peux aller chercher à te marier. Et tu auras une maison pour ton homme. Vraiment? Pour ton information, ici c'est la maison de mon père. Et si tu n'es pas à l'aise avec ma présence dans cette maison, alors tu vas te chercher un autre mari. Tu sais quoi, Chief? Je ne peux pas rester ici et écouter les insultes de ta fille. Tu sais où me trouver si tu veux. Nora, ça suffit. Tu es malade? Je ne voulais pas dire. Papa, laisse-la partir. Faut qu'elle affronte les réalités de la vie. Rachel, mais bon sang, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui te prend? Mais c'est clair, je savais que tu allais prendre son parti. Tu es toujours là à la soutenir. Et tu me laisses tomber. Tu n'es jamais de mon côté, jamais. C'est comme si je ne suis pas ta fille, je suis plein ressentie. Mais c'est quoi? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Oh! Mais ça c'est... Merde! Oh! Oh, ces femmes veulent me tuer. Oh! Les femmes. You got B James on the floor. The blender. Raka, raka, raka. Austin, je vais te parler. Abel, comme tu le vois, je suis occupé maintenant. Tu es occupé? Oui. Donc c'est à cause de Rachel que tu n'as plus le temps pour moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi je parle. Depuis que je t'ai attrapé en train d'embrasser Rachel, tu n'as plus le temps pour venir me voir. Oh, tu ris. Bien, continue de rire. Ah, Abena, ne sois pas ridicule. Écoute, comment arrêterais-je de te parler ou bien t'éviterais-je parce que tu m'as vu embrasser Rachel ou embrasser quelqu'un d'autre dans cette maison? Tu m'as aussi embrassé l'autre jour, n'est-ce pas? Je t'ai embrassé l'autre jour. Bien, écoute, j'ai un conseil pour toi. Apprendre ou à laisser. Si tu veux continuer de travailler dans cette maison, alors reste loin de Rachel. Ne dis pas que tu ne t'es pas prévenu. Hey! Austin t'a joué comme du football. Il t'a jeté, n'est-ce pas? Aïe, je sais comment cela te fait mal. Désolé, hein. Sois forte. Hey! Oh, peine d'amour. Désolé, hein. Hey. Vous, ces filles, vous n'écoutez pas les conseils. Vous n'acceptez pas les conseils. Au lieu de rester dans votre limite, vous dites non. Moi qui suis dans cette maison depuis longtemps en train de te flasher, en te suivant de haut en bas, comme quelqu'un qui dirigeait un convoi. Tu n'as pas mon temps. En tout cas, comment vas-tu?
Tu as brisé son cœur, n'est-ce pas? Monsieur le diplômé, tu es diplômé. Tu prends ton diplôme pour blesser chaque cœur. C'est bien, mon frère, c'est bien. Gifler cette fille-là sur le champ quand elle était devant toi. Arrête ma chérie, tu voulais que Chief se charge de moi. Tu sais comment est-ce qu'elle traite cette fille. Je ne veux pas perdre ma place. Et que tu ferais mieux de donner un enfant à cet homme pour sécuriser tes fesses dans cette maison. Sinon, un jour on va te balancer dehors. Ma chérie, tu ne sais pas combien de fois j'ai essayé. J'ai essayé beaucoup de fois de tomber enceinte de Chief. Mais ça ne marche pas. Mais Chief tire des balles à blanc. Mais t'as qu'à tomber enceinte de ton amant, Austin, avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que ta tête a vraiment un problème? Pourquoi ne penses-tu pas que j'ai déjà essayé les jours comme les nuits? Oh, maintenant je comprends qu'il est ton fertilisant. S'il te plaît, quand t'auras fini, permets-lui aussi de venir me fertiliser. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, ça c'est la 50e fois que tu me répètes ce mot. Je crois que... tu n'as pas Dieu sur Austin, parce que si seulement je les découvre, crois-moi, tu ne veux pas aimer ce que je vais te faire. Je ne sais pas. Austin ne m'a pas touchée depuis que Chief est de retour. Je ne m'inquiète pas, je sais comment je veux faire. J'ai dit, quand tu auras fini, après tout, tu es mariée et moi, je suis célibataire. Toi. Célibataire? Célibataire, mon œil. Toi qui as empoisonné ton homme juste pour avoir tous ses biens, et tu me dis que tu es cinglé donc. Arrête ça. Et toi alors? C'est comme si les secrets pour que tu sois avec Chief sont innocents. Pardon, parlons d'autre chose. Les murs ont des oreilles. En tout cas, il n'y a pas de problème. Écoute, je n'aime pas cette attitude. Tu exagères. Chaque fois que je viens ici, je te rappelle toujours de me donner à boire. Va me prendre c'est à bon, boire. J'adore. Tiens donc, mon ange. Tiens donc. Es-tu en train de me bouder à cause de ce petit affrontement avec ta belle-mère? Papa, je te l'ai déjà dit, Nora ne sera jamais ma belle-mère. Ok, ok. Pas de problème. Mais d'abord, détends-toi, ok? Fais-moi plaisir. Tu sais, ça me dérange souvent quand tu es mécontente. Mais alors débarrasse-toi d'elle. Depuis qu'elle est entrée dans nos vies, il n'y a que problème sur problème. Mon ange, s'il te plaît, je t'en prie. Tu dois arriver à comprendre que Nora est ma femme. Elle est une autre moitié de moi. Je savais que tu allais dire ça. Qu'elle est devenue une partie de toi. Comme si elle n'avait rien à voir avec la mort de ma pauvre mère. Oh mon bébé, s'il te plaît. Tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est une très mauvaise conception. Ta mère était malade. Et après ça, elle devait mourir. Ce n'est pas de notre faute. Je crois que je sais quoi faire. Je vais simplement me marier et vous laisser dans cette maison ici. Qu'elle fasse alors ce qu'elle veut. Mon ange. En fait, tu vois, ce n'est pas comme si je veux que tu quittes ma maison. Mais tu vois, c'est la joie de tout bon père de voir sa fille se marier. Et sérieusement, maintenant que tu me parles du mariage, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Amène-le-moi, j'ai hâte de le voir. Ok? Tiens donc chérie, tiens donc s'il te plaît. Ciao. Sors d'ici, ok? Sortons. Allons faire un peu du shopping. Je vais t'acheter tout ce que tu penses être le meilleur. Tu vas m'acheter du parfum? Je vais t'acheter tout ce que tu voudras. Tiens donc. Viens mon bébé.
T'as pas faut que je me change. Rentre d'abord dans ta chambre, moi faut que je me change d'abord. Et voilà. Oui, je t'attends alors. Austin. Monsieur. Est-ce que tu apprécies ma femme? Vous voulez dire madame? Oui, madame. Ma femme. Est-ce que tu l'apprécies? Monsieur, je n'ai pas compris. Mais monsieur, selon mes points de vue et mes évaluations, madame, votre épouse est une femme gentille. Elle est très gentille et compréhensive, monsieur. Je vois. Elle me fait la pression pour augmenter ton salaire. Ça, c'est très gentil de sa part, monsieur. Monsieur, je serais très reconnaissant si vous pourriez augmenter mon salaire, monsieur. Ok. Austin. Monsieur. Laisse-moi te prévenir. Les jours où tu connaîtras ma femme, comme Adam avait connu Ève, sera le commencement et la fin pour toi. Me suis-je fait comprendre? Bienvenue, monsieur. Salut bébé. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Bonsoir, mais pourquoi tu as changé de chaîne? Je suis les news. Bébé, il n'y a aucune bonne nouvelle dans le monde pour l'instant. Suivons autre chose. Et qu'est-ce qu'il y a de bon ici? C'est un film. C'est une bonne histoire. Tu vas certainement aimer. Ok. Voyons voir si tu as raison. Tu sais que je ne dis que la vérité. Salut, mon ange. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle? Ah, ok. Dis-la-moi alors. Vu qu'il y a des gens qui veulent que je me marie et que je leur laisse cette maison, j'ai alors décidé de leur faire plaisir. Oh, c'est vrai? Waouh, ça c'est intéressant. Mon ange. Mon ange, ça c'est ta maison. Personne ne veut te chasser. C'est ta maison. Ça c'est sûr. Mais j'ai rencontré un homme que je veux épouser. Waouh. Vraiment? Merveilleux. Bravo, 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 bravo. Oh, c'est en effet une bonne nouvelle. Alors, quand est-ce que je les reçois? Demain. Ah, ah. Si cela te convient. Demain?
Ok. Ok. Waouh, c'est bon. Merci, papa. Le prince charmant qui prendra soin de mon ange. Merci, papa. Et j'espère que tu vas aussi l'aimer. Je l'espère aussi. Je l'espère. Mais rappelle-toi, il doit être un homme capable, avec intégrité. C'est ce qu'il est, papa, et encore plus. C'est bon, c'est bon. Bien. Félicitations, Rachel. Alors, dis-moi, y a-t-il quelque chose que tu voudras que je fasse pour toi demain? Non, merci beaucoup. Je ne veux rien venant de toi. Papa, moi, je vais aller m'apprêter. Ok, ok, ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut une célébration. C'est une bonne nouvelle, Chief. C'est bien. Je suis très contente pour moi elle. Moi aussi. Je finalement. Suis contente. Vraiment contente. C'est très bien. Bonjour, monsieur. Oui. Tu étais où depuis le matin? J'étais en train de te chercher. Tu étais censé accompagner Abena au marché pour m'acheter quelques boissons. Nous devons accueillir un visiteur très, très important pour ma fille. Désolé pour ça, monsieur. C'est que je me préparais aussi pour le même événement, monsieur. Quel événement? Et pourquoi es-tu habillé ainsi? Pourquoi tu n'es pas en uniforme? Waouh! Austin, tu es splendide. Dis-moi, où est-ce que tu vas? Merci, madame. Bébé, mon gâteau à la vanille. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu t'es fait beau. Papa, tu connais déjà Austin, n'est-ce pas? Il n'y a donc pas beaucoup à dire pour les présentations. Qu'est-ce que ceci veut dire? Austin est celui que nous attendions, c'est mon fiancé. Quoi? Quoi? C'est quel genre de blague ça? Austin n'est pas une blague. Il est celui avec qui je veux me marier. Hé, hey, ma fille, tu as un problème à la tête, hein, n'est-ce pas? Non, papa. Austin et moi s'aiment mutuellement. Regarde. Regarde-moi. Regarde-moi très bien dans les yeux et dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai, monsieur. Merde! Qu'est-ce qui est vrai, là? Nous nous aimons l'un l'autre, monsieur. S'aimer comment? L'un l'autre. Es-tu malade? Es-tu malade? Un fou, écoute-moi. Avant que je ne ferme mes yeux et que je les ouvre, tu devrais disparaître d'ici. C'est un homme que jamais je veux me marier avec lui. Ferme-la! Jamais! Tu ne peux pas épouser cet homme parce qu'il est... Il est quoi? Il n'est pas assez bien pour moi. Et qui es-tu pour choisir un mari pour moi? Toi, tu te tais. Et toi, ferme-la! Désolé, monsieur. Ferme-la! Austin! Monsieur! Avant que je ne... Ferme mes yeux et que je les ouvre. Tu dois disparaître d'ici. Papa, il n'ira nulle part. Il est celui avec qui je veux me marier. Non, il n'ira nulle part. T'es marié à qui? Cette espèce d'idiot. Hein, c'est ça? Hé, hey, écoute. Avant que je n'ouvre mes yeux, il n'ira nulle part, hein? Il n'ira nulle part. C'est mon mari. Ok. Restez. Cohabitez. Construisez une maison. Formez une famille ici. Attendez-moi, j'arrive. Ok? Juste attendez. Fiche-toi, moi, c'est pour la vie. J'arrive, bébé, attends-moi ici. Ok. Papa. Et toi, où penses-tu aller, amoureux? Donc c'est comme ça que tu veux me remercier après tout ce que j'ai eu à faire pour toi? C'est comme ça que tu veux me payer? Je l'aime. Imbécile, ferme-la. N'importe quoi. Tu n'as pas honte? Es-tu fou? Je ne permettrai à personne de te prendre en dehors de moi. M'as-tu saisi? Dis-moi, m'as-tu bien saisi? Mais je l'aime beaucoup. Où est ce bâtard? Où est-il, cette espèce d'idiot? Papa, tu ne peux pas me faire ça! Tu ne peux pas me faire ça! Écoute-moi! Si tu le tues, alors je me tue aussi! Alors tu mourras! Tu mourras, je te dis! Tu vas mourir! Au lieu de me discréditer! C'est quelle bêtise, ça? Tu vas mourir! Ferme-la! Ferme-la! Je dis ferme-la! La ferme! Alors, va mourir! Va mourir! C'est quelle bêtise, ça?
Donc, même madame aussi sortait avec lui. Waouh! C'est quel genre de jeu comme ça? Mais comment nous trois on peut tomber amoureuse d'Austin aussi profondément? Non, 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 ça c'est du trop. Rachel! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es une déception. Quoi? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu vouloir te marier à Austin? Un vaurien! Oh, ça c'est incroyable! Papa, quel mal y a-t-il chez Austin? C'est un gradué, un grand bosseur. Il deviendra quelqu'un un jour. Il est un vaurien. Il n'est rien du tout qu'un simple chauffeur. Écoute, mon ange, écoute-moi. Il ne t'aime pas du tout. Il ne cherche que ton héritage. Papa, comment peux-tu dire une telle chose? Il ne court derrière rien d'autre que mon amour pour de vrai. Oh mon Dieu. Écoute-moi. Écoute-moi! Ce garçon n'est pas ton mari. Tu ne vas pas l'épouser, c'est tout. Je vais me marier avec lui. Non! Je vais me marier avec lui. Qui avait pu t'empêcher de te marier avec cette Nora? Qui était la secrétaire de maman ou je ne sais pas moi sa vendeuse? Une moi que rien. Hein? Une moi que rien. Qu'est-ce que je fais? Écoute, ne me mêle pas dans vos affaires. Je suis la seule et je m'occupe de mes affaires. Oh vraiment? Tu t'occupes de tes affaires? Toi qui es en train tout le temps de dire que je... La ferme! Ferme-la! Je l'ai dit et c'est fini! Tu ne vas pas l'épouser, ok? N'importe quoi! N'importe quoi! Quelle bêtise! Une fille est hontée! Je veux me marier avec lui! Je veux me marier aussi! Abena, qu'est-ce qui cause cette agitation de... C'est à moi que tu demandes? Je demande ça au statut d'un soldat inconnu. Okondo, ne commence pas maintenant parce que je ne suis pas de bonne humeur. Juste simple question, te demande, tu fais ton visage là comme un singe. Bêtise. Mais vraiment, les choses se passent dans cette maison, hein. Attendez, la manière dont tout le monde est provoqué. Ou bien, faut pas que cela soit ce que je pensais. Hein? Parce que la manière dont ce bon à rien de Austin s'est enfui de cette maison. Vraiment. Son père en ce moment n'était pas une bonne idée, mais elle a insisté. Elle a insisté qu'on aille voir son père. Maintenant, automatiquement, je me suis renvoyé moi-même du seul travail qu'elle me donne à manger. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Thank you.
Prends un peu de ça, ça va clarifier tes idées. Merci. Faut que tu saches un truc, Austin. Ces gens-là, ils ne sont pas bien pour toi. Toutes les deux représentent de gros problèmes pour toi. Je veux dire, Nora et sa belle-fille. Je sais. Chief t'aurait tué si tu n'avais pas pris la fuite pour ta vie. Je sais que c'était une grande erreur que j'ai faite en allant dans une relation pareille avec Nora. Mais pour Rachel, je l'aime vraiment. Allez, tais-toi. C'est comme si vous, les garçons d'aujourd'hui, vous ne comprenez pas certaines évidences. Tu penses vraiment que Chief aurait autorisé que tu épouses sa fille? Après tout, ce que tu as fait à sa femme. Comment le serait-il? Si Nora ne serait pas assez stupide pour le lui dire, comment? Et je pense que toi, tu l'es encore plus. Ne sais-tu pas qu'une femme désespérée est capable de faire n'importe quoi? Nora est vraiment désespérée et dangereuse comme femme. Je n'ai pas compris. Nora est mariée à Chief. Et elle ne s'attendrait pas à ce que nous continuions cette relation illicite pour toujours. Écoute, si je t'avoue un secret, peux-tu me promettre de ne jamais le révéler à qui que ce soit? Ouais, je promets, tu peux me faire confiance. Très bien. Nora n'aime pas le Chief comme elle le prétend. Son désir secret, c'est de le tuer et s'accaparer de toute sa fortune et de ses biens. Elle a déjà pu se débarrasser de sa femme et le dernier obstacle, c'est sa fille. Je ne comprends pas. Comment sais-tu tout ceci? Comment est-ce que tu es arrivé à savoir tout ceci? Je ne te crois toujours pas. Rappelle-toi qu'elle est mon amie. Et donc, je sais tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, son prochain plan est que tu la mettes enceinte. Quoi? Pour faire croire que cet enfant est du Chief, comme ça elle aura l'affection du Chief. Sa fortune et tous ses biens, et après, elle va le tuer. Papa, elle est là. Merci. Papa, tu as fait appel à moi. Oui, je t'ai appelé. Rachel, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ton problème? Abena m'a dit que depuis hier jusque maintenant, tu n'as pas mangé. Tu veux rester enfamé et mourir? Je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim? Et même si tu gênais, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter tout ça? Papa, je n'ai pas d'appétit pour de la nourriture. Tu n'as pas d'appétit pour manger? Rachel. Mon ange. Tiens donc, Rachel. Mon ange. S'il te plaît, viens. Viens à côté de moi. Mon ange, s'il te plaît, viens. Viens à côté de moi. Tiens donc. Viens, viens chérie. Viens à côté de papa. Viens mon ange. Viens. Ok, assieds-toi à côté de papa. Chérie, écoute-moi. Tu ne peux pas continuer à t'infliger ça, hein? Regarde la manière dont tu as maigri. À cause d'un simple chauffeur. Regarde bien cet environnement. Il y a plusieurs jeunes
responsables que tu peux épouser. Des hommes très responsables qui peuvent bien s'occuper de toi. Hein? S'il te plaît. Papa, tu ne sais pas ce que signifie l'amour. J'aime Austin. Austin est l'amour de ma vie. Tiens donc. Ok. Je te comprends. Mais juste mange quelque chose. Mange quelque chose. Regarde comment tu as maigri à cause de cet enfoiré de merde. Papa, tu ne sais pas ce que veut dire l'amour, c'est pour ça que tu continues à l'insulter. Que ce soit toi ou ta femme, n'allez me convaincre du contraire. J'aime Austin et c'est lui que je veux uniquement. Ok. Ok, viens. Tourne. Ok. Si c'est ce que tu veux. Mais je n'essaie que de te protéger comme un père responsable. Tout père responsable cherche le meilleur pour ses enfants. Et c'est ça que je cherche. Le meilleur. Rien du tout qui est le meilleur. Hein? Papa, qu'essaies-tu de me dire? Bien, je veux que tu appelles Austin pour venir me rendre visite demain. Je veux me rassurer qu'il t'aime au même niveau que les déclarations que tu as faites. Ok? Papa, je t'aime beaucoup. Papa, je t'aime beaucoup. Tu es le meilleur papa de toute la planète. Merci. Je vais l'appeler maintenant. C'est bien. Merci, papa. Papa! Je ne vais plus retourner là-bas. Je ne vais plus retourner là-bas. Veux-tu que ton père tire sur moi? Veux-tu qu'il tire sur moi avec son fusil? Ça ne se reproduira plus. Il veut simplement parler face à face avec toi. Quelle conversation cœur à cœur? Quelle conversation cœur à cœur? Ton père est un soldat retraité. Un soldat retraité. Un soldat toujours un soldat. Ton père n'a pas de cœur. Je ne vais plus jamais retourner là-bas. Je ne vais plus. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Bébé, je t'aime. Je t'aime, mais j'aime ma vie aussi. Personne ne te fera du mal, ok? Nous en avons parlé et il a dit qu'il est prêt à nous laisser une chance. Bébé, je ne suis pas convaincu. Je ne le suis pas. Je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Personne ne va te tuer. Tout ce que tu as à faire, c'est de te lever et de te battre pour ce que tu aimes. Ce que j'aime. Bébé, mon nom, c'est Augustine. Augustine Okafor. Mon nom n'est pas Roméo. Mon nom n'est pas non plus Saint-Valentin. Je ne le suis pas, je suis Augustine. Austin. Désolé, je ne veux pas mourir. Oh, femme. Oh, s'il te plaît, vas-tu juste arrêter ça? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu, Chief? Comment pouvais-tu encore permettre à Rachel d'emmener ce gars ici à la maison? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? N'étais-tu pas ici quand tout s'est passé? Tu as vu comment j'ai voulu arrêter tout ceci? Mais elle est déterminée, elle s'est décidée. Elle est déjà amoureuse de lui et je n'en peux rien. Donc, ça veut dire que tu es d'accord avec leur mariage? Hein, Chief? J'ai juste invité les gars pour avoir un entretien face à face avec lui. J'aimerais juste découvrir s'il aime Rachel de la même façon que Rachel l'aime. Écoute, Chief. Écoute, je ne partage pas cet avis, s'il te plaît. Je ne veux pas. Sais-tu ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils découvrent que le Chief Omeja a marié sa fille à un chauffeur ordinaire? Un chauffeur ordinaire, pas quelqu'un d'autre. Bien. N'oublie pas aussi que Austin était gradué. Il a juste accepté ce travail pour les conditions du pays. Un
un cas de force majeure. Même si c'est le cas, il n'est rien du tout. Tu l'avais dit toi-même. Il court après elle à cause de l'argent. Non. Laisse-moi te demander. Qu'est-ce qui a changé? Hein? Il y a quelques jours passés, tu étais en train de louer les compétences de ce garçon. Tu as été son avocate particulière. Tu m'avais même convaincu à l'engager dans mon entreprise et lui donner un bon salaire. Pourquoi le détestes-tu à ce point maintenant? Ce n'est pas ça, Chief. Je ne déteste pas Austin. Ça me fait mal parce que Austin n'a rien du tout. Ne le vois-tu pas? Il n'est pas du tout bon pour Rachel. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis surpris. Surpris de ta réaction. Je pense que tu étais la première à vouloir que Rachel se marie et qu'elle te laisse cette grande maison. Oui, mais pas quelqu'un qui n'a rien comme Austin. C'est moi. Ouvre. Ouvre. Aussi. Comment? Mais cher. Donc tu as eu le courage d'afficher encore ton vilain visage là dans cette maison après tout ce que tu as fait l'autre fois. Oh, laisse-moi te dire. C'est aujourd'hui que le boss va te tuer et t'enterrer dans cette maison si tu ne retournes pas. Okondo, c'est le chef lui-même qui m'a invité de venir aujourd'hui. Il m'attend, il veut que je vienne aujourd'hui. Mon patron. Notre Es-tu patron. Es-tu sûr? Je suis sûr. Hein? Donc c'est à cause de cela que tu as porté ta veste, jacket comme quelqu'un qui va à une cérémonie d'inhumation. Okondo, tu connais ton problème. Tu n'es jamais sérieux, d'accord? On m'attend à l'intérieur de la maison. Bonne chance, hein? Mais ne te fâche pas. Au cas où j'ai entendu un coup de feu à l'intérieur, je saurai qu'on t'a tué. Tu sais? Alors, en voyant les choses, mon conseil pour toi est que si tu as un dernier mot ou quelques phrases que je puisse envoyer à ta famille. Tu vois ta tête là? C'est ça qu'on va tirer avec du fusil. Attends, il faut qu'on prenne une photo. Prenons un selfie. Ah, laisse-moi les voir, patron, d'abord. Hein, pour la garder afin de me souvenir de toi, au cas où on t'a tué. Ah, attendez. Ceci peut être vrai. Comme de l'amusement, ce gars va devenir le beau-fils du patron. Aïe. Et moi, je vais continuer à leur ouvrir le portail. Vraiment. Austin. Monsieur. Sois le bienvenu. Merci, monsieur. Tu vois, tu es déjà un membre de cette famille. Compte tenu de certaines circonstances. Je suis désolé pour ce qui est arrivé la fois passée. Je pense que tu comprends. Ah oui, monsieur, je comprends, monsieur. Et je suis désolé aussi. Je sais que nous t'avions pris au dépourvu. C'est pourquoi vous aviez réagi ainsi. Mais monsieur, je vous promets que je ne vais jamais blesser votre fille. Je l'aime beaucoup. Je t'aime aussi, bébé. Ok, ça c'est bien. C'est bien, vraiment. Chérie, s'il te plaît, va et apporte-nous du champagne pour célébrer ça. Mon ange? Papa? Va t'assurer que le dîner est prêt, ok? Va découvrir ce que Aben a fait dans la cuisine. Très bien, papa.
Chérie, j'arrive tout de suite. Je t'attends, ok? Prends ton temps. Très bien. Toi, bâtard, écoute-moi. Tu penses que tu es malin, c'est ça? Tu penses que tu es malin? Non, non, monsieur. Tu as manipulé ma fille pour qu'elle tombe amoureuse de toi? Si, je te préviens, si quelque chose de mal lui arrivait, si par malchance tu lui fais du mal, non, tu verras ce que je vais te faire. Je ne le ferai pas. Je vais te briser avec ta famille entière. Monsieur. Je vais éradiquer et te décapiter. Toi et ta famille entière, tu m'entends? Oui, oui, monsieur. Est-ce que tu me comprends? Je comprends. Tu m'as bien je saisi? Je comprends, monsieur. Bien. Si elle fait couler même une goutte de larmes, tu verras ce que je te ferai. Merci, en monsieur. Fait, je vais me rassurer que toi et toute ta famille disparaissiez de cette oui, planète monsieur. Terre. Ok? Oui, tu monsieur. As compris ce que je oui, t'ai monsieur. Dit? Hein? Papa? C'est mais bon. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, j'admirais juste sa veste. Ah, c'est bien. Merci, monsieur. C'est bien, vraiment. Tu vois, c'est juste des papoteries avec mon beau-fils. Oh non, c'est une affaire d'homme, tu vois. Non, il n'y a pas de problème. Oui, oui, ça oui. Va, ça va, ça va. Merci, monsieur. Oui. C'est beau comme ça. Merci, c'est monsieur. Mon beau. Merci. C'est mon beau merci. Fils. Merci. Une jolie veste. Ça non, va. Est-ce que le repas est prêt? Oui, oui. Ok, ok. Ah, oui. Donc, c'est ici que tu habites, amoureux. Nora, que fais-tu ici? Je t'avais dit que cette sale souris que tu veux épouser ne va pas me stopper de t'avoir à n'importe quelle heure. Nora, c'est fini entre nous. Je suis désolé pour ce qui s'est passé dans votre maison. Mais ça doit cesser. Rien ne va finir si je ne le décide pas. M'as-tu comprise? Non, 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 non. Non, je me marie à ta nièce bientôt. Très bientôt. Si elle venait ici, nous voyait ainsi et allait le dire à ton mari. Oh, arrête ça. Tu n'as pas à t'inquiéter à cause de mon mari. Quoi? Je sais que faire à propos. Juste... Nora, Nora, s'il te plaît. Nora, s'il te plaît. Non, je ne veux plus. Je ne peux plus le faire. S'il te plaît. Non, Nora, Nora, s'il te plaît. Non, non. Nora, Nora, toi. S'il te plaît. Nora, non, Nora, non, non, s'il te plaît. Arrêtons ceci. Avais-tu un rendez-vous? Non. Qui est là? S'il te plaît, ouvre la porte, monte chez moi. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas. Ah, une seconde, s'il te plaît. Va à l'intérieur d'abord, s'il te plaît. Ah, j'arrive, une minute. Mais qu'est-ce une que seconde. Tu fais traîner comme ça, non? J'arrive. Ouvrez la porte. À peine. Qu'est-ce qui t'a retenu aussi longtemps? J'étais dans la salle de bain. Que fais-tu ici? Tu fais quoi ici? Ce que je suis venue faire ici. Ouais. Je suis venue te voir, on doit parler. Parler maintenant? Oui, maintenant même. Je suis enceinte. Quoi? Comment? Pourquoi? Pourquoi? Ouais, pourquoi? C'est parce que tu as couché avec moi sans le préservatif, c'est ça le pourquoi. Mais, Abena, je pensais que tu as assez mieux pour prendre soin de toi-même. Mature? Ouais. Quand tu en profitais, tu ne t'es pas demandé si j'étais mature ou pas? Mais... Oh Dieu! Tu attends quelqu'un? Non! Allô? Qui est là? Bébé, c'est moi, Rachel! Quoi? Ah! Tontine Rachel! Mais qu'est-ce attends. Que tu me fais ici? Va te cacher, va te cacher! Sois sage! Va te cacher! Viens ici, va là-bas! Viens ici! Va là-bas! Madame, mais qu'est-ce que... Chut, chut.
Bébé surprise, surprise. Surprise? Quelle surprise? Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Bébé, t'es sûr que ça va? Ouais, je vais bien. Alors, devine avec qui je suis venue? Qui? Attends, tu vas voir. Entre. Austin. Bébé, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi. Papa, de l'eau, appelez. Allez, papa, vite, essaye d'appeler à l'hôpital. Mais papa, porte-moi de l'eau. Allez, reste pas plus loin, prends plus loin. Yeah. If you're not waking,